incroyable. Oh, la sec, la sec, la sec. Oh, la ne t'arrête pas. Bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, ah, ça, c'est déjà un peu mieux niveau plus vite, mais il faut style. Contacter le ministère. Mais il reste encore je dois leur dire pour Georges les mocassins. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Putain, par contre, c'est gris Lord, j'aurais dû mettre Lord, c'est gris là, ça va pas ça. Ah ah, le choix peau magique. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. C'était un black alors. Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des silence. Gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Allez, c'est parti. Nous nous reverrons. Ah ouais, ils sont déjà au banquet et tout. Ils se régalent tout ça. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Bon. Le choix. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Oui. Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? L'ambition. Est-ce de l'ambition? On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête, mais il faut persévérer dans la vie pour réussir. Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Exactement. Bien entendu, accepter la maison. Bien sûr. La répartition fracasse. En fait. Eh oui ! Bienvenue à Serpentard, l'équipe ! Encore une chose.
En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Aïe. Aïe, aïe, silence. Aïe. Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ah ouais, c'est bien fait. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de match de Quidditch. Études. Mais pourquoi par rapport à l'histoire, comment ils l'ont faite? Et du coup, ils le disent à cause d'eux. Ils ont justifié leur truc par rapport à une blessure. Mais le vol n'est pas interdit, donc on va pouvoir voler. Mais c'est pas dit que du coup, d'ici des mises à jour, des DLC d'une prochaine année ou quoi, Quidditch soit inclus. C'est sûr, en fait, ils veulent le faire comme ça. Et c'est bien vu, c'est bien vu. Ça nous force à patienter, à languir. Et un mode multi, c'est clair que ça serait violent aussi là-dessus. Professeur Weasley, ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Pas le moins du monde. Ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. Aspiration. Ah, c'était ça le mot de passe, je pensais qu'il fallait. Ah ouais, bien. Aspiration. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Kerrigan. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Magnifique. Regarde-moi cette beauté. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Eh ouais, ça dort là. Y'a rien de bon là-dedans. Hein. On peut utiliser, cool. Ah ouais. Ah, c'était quoi ça? Petit coffre? Ah, sérieux, on y va. Ouais, bon, vas-y, on va pas commencer à explorer tout là. Des présentations s'imposent, il me semble. Et ouais. Alors, se présenter à Mina, Sébastien. Se présenter à Sébastien. Je peux t'aider? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palot. Sébastien Palot. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'était affreux, évidemment. Mais quelle expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça... Comment vous êtes-vous échappé, Fig et toi? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Yes. Quel livre es-tu en train de lire? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard? Lesquels? Excellent. Les meilleurs. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. On va se présenter au reste. Si tu fais ça, tu perdras la partie. Crois-moi. Tu ne vas pas faire ça quand même.
Imelda Reyes. Je t'aurais prévenu. Échec et mat. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi le nouvel élève de Serpentard. Tu as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Je suis pas mal comme tactique. Lord Segri en personne. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. On verra ça. T'aimes avoir le balai en main. Le manche en main. Allez, on Peut-être va être sympa. Que l'ami du professeur Fig aurait survécu si tu avais été là. Je le pense aussi. Oh, elle m'a l'air un peu sûre d'elle. Je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. En parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Ah ouais. Tu voles beaucoup. Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours. Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Elle me plaît bien. Hein. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier. Tu savais que cette fille allait perdre la partie. Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit? Ouais, ouais. Au revoir, Imelda. C'était un plaisir. Ah oui, un plaisir. Allez, le dernier de la liste. Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es le nouveau cinquième année. Je m'appelle Hominis, Hominis Gaunt. Il est aveugle ou quoi? Enchanté, Hominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. J'aime faire des entrées remarquées. Si je veux laisser ma marque ici, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Ah, tu es dans la bonne maison, alors. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours, même si je doute que tu en aies besoin. Tu pensais être envoyé à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Merci, Hominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. Le nouvel élève de 5e année à Serpentard est-il ici? Le professeur oui. Weasley t'attend près de l'escalier. C'est parti, alors. Lumos, Protego. Lumos. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Exactement. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Mamma, qui régale. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur.
Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Bah oui. Nous allons vous tester. Alors, on va aller se tester. C'est parti. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Alors, suivre. On est parti. Alors. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ne traînez pas. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue? Revelio. Le guide du sorcier pourra vous en dire. Cette statue représente un kelpie, un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness. Eh ben voyons. Voilà d'où vient le monstre. Vous venez de débloquer les défis à un guide du sorcier. Votre progression des défis affichés. Ok. Récupérez les pages du guide du sorcier à Poudlard. Ok. Ça va. Ouvrir. Voici votre niveau de sorcellerie. Les XP obtenus au cours des défis augmentent votre niveau de puissance. Votre kit du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sectionnez le menu défi pour continuer. Ah, ok. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis, nouveau défi de l'aventure. Ok. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau de terminé. Détenu amélioration essentielle. Ok. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses. Ok. Il y a un petit coffre qu'on peut ouvrir ou pas là? Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Allez, le son il est bien réparti aussi dans chaque horaire, j'ai remarqué. Tu sais, quand tu tournes et tout, c'est bien, bien 3D. Bien Dolby, quoi. C'est vraiment bien fait. Hein. Ah. Oh. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ça c'est en Doloris ou quoi? Ah bah tac et d'avoir. Ah bah c'est marqué au-dessus. Eh bah oui. Et ça, Impero. Lourd. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Allez. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Alors, hall central. Ok. C'est dans la zone du grand escalier pour continuer. Grand escalier. Voilà. La flamme de cheminement de fer représente les flammes que vous avez découvertes, y compris. Celle dans la salle commune. Ok, révèle l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Ok. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt tels que la tour de Stanley, la bibliothèque. Ok.
Sélectionnez la zone annexe de Buck pour continuer. La Poudlard. Là, du coup. Le professeur Wiss a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez la. Ah oui, là. Voyager. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Magnifique. Depuis le hall central, il est possible. C'est bien le système qu'on peut se TP comme ça. Partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Magnifique. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Ah oui, exact. Bien ça. Merci. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Par vous chance. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Si tu savais. On ne dit rien à personne. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Eh oui, mec. Enfin, meuf. Quand on parle du loup. Professeur Weasley. Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah, eh oui. Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas. Et en matière de secret. J'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. De loyauté, plutôt, on va dire. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Tu m'étonnes. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera mais oui, on va s'en servir de ce guide-là. C'est le planté de bâton qui compte. C'est le planté de bâton qui ne va pas. Oui, Monsieur Duce. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Allez, et c'est parti. Nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Oh, quelques emplettes. Ouh là là. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai fait de mon mieux, mais je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Ah ouais? Alors,
L'icône tac représente les quêtes principales en terminant des quêtes principales tac pour progresser dans l'histoire, débloquer de nouvelles fonctionnalités, obtenir de l'XP. Ok. Ces quêtes sont verrouillées par un sortilège et vous nécessitent certains niveaux. Dans ce cas-là, vous devriez atteindre le niveau requis ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Ils peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense de quête. Ok. Suivez les quêtes disponibles. Cours de sortilège contre des morts. Ringardin et Vaza, action. Allez, on va faire Ringardin et Vaza. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. Allez. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. C'est parti alors. C'est parti. C'est quoi lancer la boussole? Ah ok. Ah ouais, c'est un petit guide qui est bon. Pas mal ça. J'aime bien tourner les petits planétaires là. Ah ouais, c'est toujours le même. Toujours le même bureau. Il est stylé. Professeur Ikat, soyez gentil d'attendre la sortie. Petit. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû comment on dit parler. Petite. Bref, vous vous demandez peut-être. Pensez à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers. De Harry Potter, Chou, la chambre des secrets, quand il y a l'attaque de lutins avec Lockhart. Ceux qui ont la ref, la sagesse ne le truc qui se décroche en haut, l'ossement là, pareil. Aujourd'hui, nous allons revoir un dans cette même salle. Plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose pas que mal. J'ai apprise en tant un que adversaire surpris c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Alors. Ah, c'est bon, tu me la fais plus, Coco. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Allez, c'est parti. Un petit mannequin. Un mannequin de bois. Version sorcier. Ça me plaît bien, ça. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris. Bien. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Ah, ça me plaît bien ça. Allez, c'est parti. À vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre. Accueille-moi donc comme il se doit. Je pense que tu vas pas être prêt, mon copain. Et Protego, vous pouvez y aller. Protego.
Les dieux animés sont passionnés. Stupéfait. Les dieux. Normalement, tous les rêves étaient aussi appliqués. Utilisez le lancer de base lorsque votre adversaire a baissé sa garde. Ce fut fort agréable. Merci de cet accueil. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends c'est peu dire, ma petite professeur Hecate. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Vous avez en face de vous le Lord Segri. Encore bravo. Vous ne le savez pas encore. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Ça risque de ne pas tarder. Le cours est terminé. Quoi, t'es déçu, mon petit Sébastien ? Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Qui mais n'est pas encore la mienne. Ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Ça me plaît bien, ça. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Bien sûr. À la prochaine. Petit coffre dans le coin. Quête terminée. Cours de défense contre les forces du mal. Revelio. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Ouais, d'accord. Le coffre. Il est dehors ou quoi ? J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Oh. On peut pas y aller. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Il n'y a pas de coffre. Rien non plus, donc... Ça doit pas être là. On s'en va, l'équipe. En route pour de nouvelles aventures ? On a découvert ça, ok. Revelio. Y'a rien d'autre dans le coin, là ? Non ? C'est quoi ça ? Ah, c'est toujours les mêmes conneries. C'est toujours les mêmes conneries. Ah, un bouquin. Mais pourquoi je peux pas le... Oh. Voilà. 2/2, magnifique. On monte, on continue.
C'était quoi ça? Non. Petit coffre là. On peut pas le prendre? Si on peut. Manteau dragonien. Qu'est-ce que c'est? Ça fait de la potion à la mimigénière ou quoi dans les chiottes? Hey! Shot, il explose. Il y a une potion là-bas. Réveillon. Quel visage saisissant! Vous ferez un sacré portrait. Un sacré portrait, je trouve. Très du parfait. Hein. Qu'est-ce voilà. Que vous mijotez? Bon, allez, c'est parti. Réveillon. Parfois, nous devons lire. Attends, ça c'est quoi du coup? C'est Axio? Ouais, ok. C'est parti pour Axio. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. Nati. Donc toi, le nouvel Nati. Élève. Nati. Tu as déjà rencontré le professeur Ronald? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. La tête qu'il a. Des charnières dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons. C'est bon vivant, rigolo, un peu sur les bords. Nécessaire pour relever le défi. Bien tout le monde. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour te miser maintenant. Oh, on a piqué le bouquin. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. C'est parti! Wow. Action! Pas mal du tout! Même les sorties, elles sont c'est vachement bien faites. Vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Parfait. Suivez-moi. Ça. Parfait, ça. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Ah, on va faire récupérer les balais, non? Un petit peu action, non? Pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas?
Ah non. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Lancer Axio sur lui, puis révoquer le sort. Très bien. Ah ouais, plus tu la tiens longtemps. Voilà. Non ? Très bien, des points pour Serpentard. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter le sort. Allez, c'est parti, le petit affrontement, j'aime ça. Voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous aurez les bleus comme alors. Tout à l'heure, mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris ? C'est parti. Compris. Honneur aux dames. Voyons voir. Combien tu fais ? Joli. J'ai pas compris encore comment tu le tires. Ah ouais, ok. 50-50. Aussi. Non, mais je l'ai loupé. Ah non. Je l'ai lâché trop. Envoie-moi la mienne. Ah, elle a fait tout 50, je suis dingue. Dommage. Non. Oh là là, j'ai fait de la dope. Bon, on peut recommencer s'il te plaît. Oh, merde. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé. Ça m'a assez de jouer. Ok. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Voyons voir. Ah ouais, ok. Combien ? Action. Non ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que je fais ? Ah, je fais nimpe, hein. Je fais nimpe. Ah, je suis deg. Oh, mais je le tiens trop ! Qu'est-ce que je fais ? Ah ! Oh, dégoûté, hein. Dégoûté. Je fais n'importe quoi. Si on pouvait recommencer, j'en serais très heureux. Parce que... je fais n'importe quoi. Bravo à vous deux. Beau travail. Ah, sur ce coup-ci, je mérite pas bon. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets.
Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi. C'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Allons voir ce qu'il veut. Bien sûr, il est possible d'utiliser Action. Je peux vous parler un instant ? Si tu le souhaites. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Ben voyons. Missonaï est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Missonaï est... C'était super simple, c'est moi qui fais de la merde. Même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ben voyons. Merci bien. Quête de sortilège terminée. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci. Hé, hey, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver? Revelio. Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. Oui. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as magnifique. Fait des étincelles en cours d'enchantement. Allez, on va être modeste. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Revelio. Hein ? C'est quoi qui dingle ? C'est quoi le cut ? Mac ! Tu passes sur le jeu ? Mon babe ! C'est l'heure de la révolte des gobelins ? Où est-il ? Finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Oui. Je veux encourager le garçon qui affirme... C'est pas un mensonge, Peeves. C'était Albert Boot. Non, c'est faux. C'était Basil Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé, cette attaque. Le ministre était-il Boot ou bien était-il Flack? Arrête ça, okay. Peeves. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir un, des deux, ennuis, trois, mais vous ne quatre, pouvez pas m'arrêter. Cinq. Elle dit Boot et il dit Flack. Peeves, qui va l'emporter? Ça suffit. On va finir en retenue si tu continues. Et vous vous trompez à nouveau. C'était Esvaistus Gore. Ce n'était donc ni Boot, ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black. Oh, ça faudra que je recompère un peu parce que... Ça, si tu le mets là, ça fait quoi? Ça, c'est le premier, donc ça fait 1, 2, 3, 4,
5. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Espèce de poulpe, on a dit. Ouais, c'est une espèce de poule pour Miguel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? Non. Il n'y a pas ce logo là. Et là, il y a quoi? Et celui-là, c'est celui-là. Et est-ce que lui, il y est? Ouais. Et lui, du coup, ça serait quoi? Ça fait 4 plus 12. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ouais, non, on le fera plus tard, ça, parce que je sais pas. On le fera plus tard. Bon, l'équipe, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. On va juste... Hop. Équipement. On a quoi là? Ouais, ça c'est lourd. C'est 30 valeur. Ah non, valeur de la vente. Voilà. Visage et écho, c'est quoi ça? Oh non. Ça j'en veux pas. Chapeau. Oh non. Dégueulasse. Un chabaguet, truc. Collection. Ok. Ça c'est quoi du coup? Une potion de Félix V ici, qui est bon. Carte, ok. Quête. Okay.
cape légendaire. Sauvegardons donc la partie. Ah ouais, putain, ça sauvegarde pas automatique, on dirait. Bizarrement. Bon, ouais, bah voilà l'équipe. Ah, classe comme ça. Fait déjà mieux. Hein. Bon, l'équipe, sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite. Kerrigal.